création en fait de partenariat avec une boutique en fait qui m'a contactée, qui s'appelle Craspire et qui fait des produits pour faire des cachets de cire. Voilà. Donc, j'ai répondu volontiers à leur demande. Je vais faire des essais, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, et puis on va ouvrir le colis ensemble, et puis on va regarder ensemble. Alors, Voili, voilou. Je ne suis pas commerçante pour rien, donc vous avez ces Craspire. Vous allez sur leur site internet, donc vous tapez dans Google Craspire, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et puis vous allez voir, ils font des choses super sympas. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc du coup, je vais faire avec vous. On va voir, on va y aller pas à pas, parce que moi, je débute aussi dans ce qui est le cachet de cire. Donc, je vais vous montrer, et puis je vais vous dire comment faire. On va le faire ensemble. Et puis, si ça vous plaît, vous pouvez commander. Le code promo, c'est livre 5, et vous avez 5 euros sur une commande de 40 euros. Et par contre, je pense que les produits sont pas mal. Voilà. Donc, on va ouvrir ensemble. Donc, voilà, j'ai reçu un colis. Alors, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Alors, en premier, on a, je pense que c'est le petit support, en fait. Voilà. Le petit support, en fait, ce que j'appelle, moi, le chauffe-plat. C'est pas un chauffe-plat, c'est le petit... Alors, on doit avoir à l'intérieur. Alors là, on a tous les petits cachets de cire. Alors super, parce que il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sortes de couleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et il y en a beaucoup dedans. Alors, et c'était super bien emballé en plus, hein. On a des petites enveloppes. Alors les petites enveloppes, voilà, si on veut envoyer un petit cachet de cire ou fermer la petite enveloppe, c'est sympa d'avoir mis ça avec. Ouais, dans le colis, je trouve ça super sympa. Des petites enveloppes de couleur, on met une petite carte et on ferme avec un cachet de cire. Voilà, je trouve ça très très sympa. Alors, donc, on revient à nos moutons. Donc, on a notre petit pot. Est-ce que je vous avance ou est-ce que je vous avance pas? Ouais, un petit peu, voilà. Donc, on a notre petit chauffe-plat qui est très joli, je trouve. Et en plus, ils m'ont mis deux. Super. Alors, je pense qu'on met notre petite bougie. Hop, ici. On allume. On a la petite. Moi, j'appelle ça une louche. Hein, on est restaurateur, donc voilà. On a la petite louche avec le petit bec verseur qui est ici. Je pense qu'on le met. Alors, je ne sais pas comment. Bon, déjà, si je le mettais à l'endroit, je pense que ça serait pas mal. Hein. Voilà. Appelez-moi quiche. Hein. Alors, ça, on le met là. Et ça, on le met là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de support en dessous pour le mettre. Non, je pense que c'est comme ça. Et on fait chauffer comme ça. Voilà, c'est ça. Non, mais la fille. Alors, en dessous, je pense qu'il faut faire attention parce que ça doit chauffer. Et de mettre une toute petite plaque, on a une petite plaque ou une petite assiette, hein, peu importe. Voilà. J'espère que vous voyez ce que ça fait. Hop, voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, on met notre petite louche. Voilà. Et on laisse chauffer. Et donc, je pense qu'on met nos petites billes de cire à l'intérieur. Donc, je vais regarder. Et puis, voilà. Donc, déjà, dans le paquet, j'avais ça. Il y a un petit crayon métallique pen. Alors, je verrai à quoi il sert. Je ne sais pas pour l'instant. Donc, on verra bien. Voilà. Donc, après, j'avais ce petit qui est très joli. C'est un petit papillon pour venir faire le cachet. L'embout du cachet, donc ça se dévisse. Et là, ils m'ont mis une superbe libellule. Magnifique. Et du coup, on le met dessus. Ça se fait tout simplement. Voilà. Et quand vous allez sur leur site, eh ben, vous pouvez recommander
les petits cachets en fait avec plein de petites choses. Il y a des animaux, il y a des lettres, tout ça. Et vous pouvez même faire faire votre petit cachet, je pense, voilà, que vous voulez. Ouais, non, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais voir. Ensuite, après, on a la petite cuillère. Voilà, je pense que. Voilà, non, mais ça me connaît, hein, les filles, hein. Restauratrice depuis plus de 30 ans. Je vais faire ma petite soupe avec des couleurs. J'appelle ça une soupe artistique. Rigolez pas, rigolez pas. Vous allez voir, je vais vous faire des choses magnifiques, des arcs-en-ciel. On va y mettre du thym à l'intérieur des cachets de cire. Remarquez, ça pourrait être pas mal, hein. Du thym, du laurier, voilà. Et on a toutes nos petites billes en forme d'étoile. Voilà. Et il y en a beaucoup, hein, dans la boîte, hein. C'est pas une petite boîte toute plate. Non, je trouve ça super sympa. Regardez. Vous avez vu? Voilà. Donc du coup, je vous ai présenté le petit colis que je viens de recevoir par Craspire, en fait. Voilà. Qui ont été très très réactifs. Ils m'ont contacté. Tout de suite après, je me suis dit, oh mon Dieu, mais je. Je sais pas, voilà. Et puis après, je me suis dit, si, 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 il faut que je fasse connaître à mes abonnés. Et ils sont très, très gentils et très, voilà, très à l'écoute, très serviables. Ils m'ont répondu tout de suite. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, bingo, je fais. Voilà. Donc, du coup, vous avez un code promo livre 5, 5 euros sur la commande de 40 euros. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je fais un essai et après, on fait l'essai Alors les ensemble. filles, À je tout de suis suite. hyper contente de moi. Regardez. Alors, j'ai fait mon premier. Donc, j'en avais un, je vous le dis, il est complètement raté. Je ne vous le montre pas, il est moche. Regardez comme c'est joli. Je trouve ça super beau, la petite libellule. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est pas tout à fait rond, en fait. Quand il y a un petit peu de. Je vais vous rapprocher. Quand il y a un petit peu de. Comment dirais-je? Un petit peu de forme autour, je trouve ça sympa. Et celui-ci, en fait, avec, il y a des crayons, un métallique et un or. Et vous pouvez venir faire dessus le dessin en métallique. Et celui-ci, regardez, je l'ai fait avec le crayon couleur or. Et ça fait très joli. Vous avez vu? C'est superbe. J'adore. Et je ne sais pas si vous voyez le vert, il est légèrement marbré. Donc j'ai mis plusieurs couleurs dedans et je l'ai fait un peu marbré. Moi je trouve ça très très beau. Alors on va en faire un ensemble. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier film. Je n'avais pas de papier cuisson en fait. Donc j'ai pris du papier film. Donc du coup on allume notre petite. Alors faut faire attention, on ne fait pas ça avec les enfants surtout, hein. Faire cramer ma caméra non plus, c'est dommage, ça fait pas longtemps que je l'ai. On met notre petite, alors bon, il y en a déjà dedans, je la nettoierai après. On met des petites perles, donc là j'en ai pas de bleu, je vais en faire une bleue. Hop, on laisse fondre. Je vais me déplacer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place et je vais mettre le papier film à côté de moi. Ah, mais je trouve ça très joli. Vous voyez pas beaucoup là, mais avec la couleur or, c'est magnifique. Et en plus, sur leur site, vous pouvez commander les cachets que vous voulez. Alors, le coffret, ça fume un peu. Le coffret, parce que la flamme au-dessous, elle est grande, parce que ma bougie, elle est bientôt à la fin. Le coffret, en fait, avec tout ce que je vous ai énuméré là-dedans à l'ouverture. Il est à 43,99 au lieu de 53,98. Et avec le code promo, vous avez 5 euros de réduction. Et après, vous avez un kit qui est un petit peu plus petit, mais vous avez tout dedans aussi. Il est à 34,69 au lieu de 43,40. Et vous avez mon code promo. Donc les filles, si vous voulez faire des cachets de cire, là, avec, ça va faire du marbre en fait. Parce qu'il me restait du orange.
pas tout à fait fondu. Et voilà, et vous pouvez commander sur leur site plein de. Alors moi, je prendrai une petite plaque de marbre la prochaine fois, parce qu'ils font des petites plaques de marbre pour venir mettre la cire dessus. Ça fume, on va appeler les pompiers. Hop. Excusez-moi, vous avez vu ma tête. Donc du coup, on met sur le papier film. Hop. On prend notre petit cachet. Donc là, j'ai pris le papillon. Hop. On le met dessus. J'espère que j'ai pas brûlé mon truc en dessous. Non, non, non. On attend un petit peu que ça refroidisse. Voilà. Je vais attendre que ça refroidisse bien. Alors, vous voyez, ça tient après le. Là, c'est pas. C'est autour, c'est encore. Et moi, j'aime bien quand ça fait plein de trucs autour. En fait, j'aime pas quand c'est. Et ensuite, après, voilà, j'ai défait. Alors, celui-là, il est raté. Évidemment, j'étais en vidéo, je l'ai raté. Mais c'est pas grave, on va en faire un rond. Voilà. Et après, on a juste attiré le papier film. Voilà. Pour le décoller. J'ai pas de papier sulfu. Donc celui-ci, moi ce que je veux, c'est le faire en rond. Je l'ai fait avec l'autre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est moi je coupe autour. Alors les petites chutes, en fait, vous les récupérez, hein. Vous pouvez les refaire fondre après, d'accord? Voilà. Donc moi j'aime bien parce qu'il est un petit peu déchiré sur le côté. Il est un petit peu. Mais alors par contre c'est super bien marqué. Ensuite après, si vous voulez venir faire, vous avez votre petit crayon qui est fourni avec. Et dessus, vous venez colorier votre petit papillon. Mais en fait, il y a plein de choses à faire. On va changer la bougie et on va essayer autre chose. Hop, je vais le colorier, je vais le faire devant vous. Moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Et regardez le petit papillon. Alors, j'en ai mis un peu à côté parce que j'étais en dessous de la caméra. Voilà. Et le petit papillon, il est tout couleur or. C'est trop beau. Moi, j'ai dépassé un petit peu, mais parce qu'en fait, j'étais avec la caméra, donc je voulais vous montrer. Et ensuite, après, on va essayer. Alors, je vous dis pas, je vous garantis pas hein, que ça va marcher. On va changer la bougie parce que celle-ci, elle a. Ah, mais non, j'ai juste à faire ça. Hop, couper un petit peu l'embout. Voilà, et je la remets. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Je vais mettre des paillettes. Alors, Sylvie, elle n'a pas intérêt de foutre les paillettes partout par terre. Alors, on va ouvrir. Je vais mettre des paillettes roses. On va voir ce que ça fait, hein. Allez, on rallume notre petit truc. My briquette, please. Alors, vous savez, moi j'ai pris l'assiette et tout. J'ai fait ça comme, voilà, comme si j'étais chez moi, hein. Je fais pas le truc hyper pro. C'est juste pour vous faire découvrir. Quelque chose voilà qui me plaît et que j'avais envie. Au début j'étais pas trop donc on va refaire des petites couleurs. Là j'ai mis du un petit peu couleur très 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 rose et on va du coup faire fondre et ça va se mélanger avec le bleu, ça va faire du marbre un peu comme du marbré, mais elles sont trop belles. Je suis hyper contente de ce partenariat parce que franchement j'adore. Et vous avez un petit tampon comme ça fait main, vous pouvez vous éclater à faire plein de choses. C'est super joli. Regardez. J'adore. Je dis tout le temps j'adore. Ils vont dire, mais là, elle adore tout. Mais bon, quand on découvre des choses, voilà. Et après, les petits morceaux, vous les récupérez et vous les faites refondre. Et ça vous fait du marbré, en fait. Vous voyez, tout ça, c'est des petits morceaux, en fait.
Hop. Et du coup, vous venez les récupérer et vous les refondez en fait. Voilà, on n'a pas de perte. Bon, vous inquiétez pas, c'est une vieille assiette, hein. Je vais. Alors, je vais faire ma tambouille. Je vais pas trop remuer parce que je veux que ça fasse du couleur bleue et couleur très rose pâle en fait. Regardez ce que ça fait. Je rebouge. Vous avez vu, ça commence à marbrer. Ça va être très joli. Je vous remonte pour que vous puissiez voir après sur le film. Après, ouais, une petite plaque de marbre où j'ai essayé sur l'assiette, ça marche pas. Hein, ça reste collé. On a essayé aussi sur du papier simple, ça marche pas, ça reste collé. Là, j'avais que du papier sulfu, enfin, du papier film. Donc, mon mari m'a dit, allez, on essaye sur le papier film. Et ça a super bien marché. Après, voilà, j'essaierai avec du papier sulfurisé, mais j'en avais pas. Donc, je ne veux pas trop touillé parce que je veux que ça fasse du marbrage comme c'est là. Et puis on va essayer de mettre des paillettes, voir ce que ça fait. Hop. Tac, voilà, ça va juste faire un petit peu de marbrage. On va attendre que ça fonde bien comme il faut. Mais je trouve ça pas mal. Hop là, je bouge. Alors faites attention avec les enfants parce que le tour il est chaud quand même, hein. Et je pense que le bleu que j'ai pris, il est métallisé. Ouais, c'est ça. C'est comme les recettes, faut attendre que ça boue. C'est bientôt Halloween, les filles. Non, je trouve ça très sympa. Même pour mettre sur des embellissements avec des. Enfin, pour faire une déco en guise d'embellissement, pour faire des. Avec des fleurs, choses comme ça. Je trouve ça hyper sympa. Alors, je. Ah ouais. Hop. Ah, Vaiko qui est pas content. On va mettre un peu de paillettes. Hop, pas trop quand même, Sylvie, les paillettes. Hein. Et on va mettre notre petit papillon. Alors là, il n'y a qu'un côté qui a fait. Ah, ben ça. Ah, ben ça s'est bien décollé en fait. Alors je pense qu'il faut prendre le petit pinceau. On retire un peu de paillettes. Ah, c'est trop beau. C'est chouette. Je le décolle. Hop, je vais retirer mes paillettes qu'il y a à l'arrière. Ben, j'ai même pas besoin de les retirer. C'est très joli. Bon, j'en ai mis un petit peu trop, mais ouais, je trouve ça super joli. Regardez. Allez, on s'en refait un. On va faire avec l'autre, avec la libellule. Hop, on a juste à défaire et juste remettre. Allez, on s'en refait un petit. Oh là là, je suis en train de faire de la chenille partout, moi. Alors, les filles, c'est pas bien ce que je fais, hein. Du tissu sur. Sylvie, tu fais plein de bêtises. Allez, on fait du jaune. On va faire la petite libellule parce qu'en fait, autour de la libellule, je sais pas si vous voyez, il y a un rond qui est fait en fait pour sectionner, pour couper. Vous voyez, celui-ci, je l'ai fait avec. Alors que l'autre, en fait, vous voyez, il n'en a pas. Le papillon. Donc, on va faire la libellule. On va essayer de se mettre les petites paillettes dedans, mais pas trop, parce que là j'en avais mis un peu beaucoup. On va juste en mettre un peu. Voilà. Hop, et on va le verser dessus. Voilà. J'ai préparé mes paillettes, les filles.
Donc, comme d'habitude, hein, je reste très simple. Pas de chichi pour la présentation. Après, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Mais ça s'en va bien. Hein. Je vais récupérer toutes mes petits morceaux. Je vais les mettre dans un petit sachet. J'ai des petits sachets qui traînent. Voilà. Pendant que c'est en train de cuire. Hop. Je récupère mes petits morceaux de cire. Je les mets dans un sachet. Je vais les mettre dans la boîte et je m'en servirai. Hop. Puis du coup, bah, je vous ferai une petite créa après pour faire avec les petits sachets, avec les petits trucs de cire. Non, c'est beau. J'adore. J'adore. Les filles, ne vous moquez pas. Voilà, donc ça c'est la présentation Craspire, Craspire, Craspire. Voilà, je vous montre. Vous allez sur leur site et vous allez voir, il y a plein de belles choses sympas. Et en plus, on est livré très rapidement. Pour les cadeaux de Noël, hein, on va dire qu'on pense déjà à Noël. Je mets pas mon doigt dedans, vous savez, comme quand. Alors, on va mettre sur notre petit papier film. Hop. Je me mets bien en rond. Tac. Là, j'en ai pas mis beaucoup. Et hop. Je mets mon petit tampon. Et voilà. Et ben là, c'est nickel. Nickel, nickel. Alors, on va attendre un petit peu que ça refroidisse. Regardez. Elle est belle, ma libellule avec les petites paillettes. Hein. On va la décoller. Ben, en fait, le papier film, ça marche super bien. Hein. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les petites. Je vais couper les petits trucs là, juste qu'il y a autour. Après, on fait comme on veut, hein. Voilà, juste un tout petit peu. Après, vous pouvez couper. Eh ben, regardez, on va le faire, on va essayer. Comme il y a le rond qui est autour, celui-ci. Eh bien, je pense que je peux couper autour. Hop. Et ouais, génial. Voilà. Et on récupérera. Hop. Hop. Voilà. Et ben nickel. Regardez. C'est chouette, hein? J'adore. J'adore. Non, c'est chouette. C'est trop bien. C'est très joli. Alors, on peut le faire soit avec des paillettes, soit avec le petit crayon couleur or, soit nature, comme vous voulez. Voilà. Moi, je trouve ça très joli. Regardez. C'est chouette, hein? Donc voilà. Donc, c'était une petite présentation partenariat avec Craspire pour faire. Les cachets de cire. Je vais faire une petite créa avec. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour la petite créa. Coucou! Alors voilà, j'ai fait mon petit cachet de cire avec ma petite libellule et je suis venue mettre du doré dessus. J'ai fait ma petite enveloppe avec des tamponnages. J'ai marqué lâcher prise et un jour de chance. Voilà. Et on se tape après de l'autre côté.
C'est beau la vie et merci Craspire pour m'avoir contacté pour ce partenariat. J'ai trouvé ça super. Voilà, et j'adore faire les cachets de cire. Je trouve que ça finit très bien sur une enveloppe. Et on peut faire aussi des petits cachets, je trouve. Voilà. Et puis, par exemple, sur une créa, mélanger un petit cachet de cire avec une libellule, mettre des petites fleurs autour avec du feuillage. Voilà. Pourquoi pas? Et je trouve ça très joli. Donc, je mettrai des cachets de cire sur une création de Noël. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!